L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Association indépendante, l'UNIM défend les intérêts des professionnels de la santé depuis plus de 40 ans et leur propose les meilleures conditions d'assurance professionnelle et privée à des tarifs privilégiés négociés avec son partenaire Alliance. Sa particularité, son conseil d'administration composé exclusivement de professionnels de la santé. Adhérer à l'UNIM, c'est bénéficier d'une offre conçue par des professionnels de la santé, pour des professionnels de la santé, avec des garanties spécifiques et exclusivement adaptées à leurs besoins. Prévoyance, complémentaire santé, assurance de prêt ou encore protection de l'exercice en groupe. Les adhérents de l'UNIM bénéficient également d'un bouquet de services innovants, parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complète, ainsi qu'une protection juridique vie privée, vie professionnelle. Ensemble, assurés d'être bien assurés. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau Mardi de la Santé UNIM organisé par MedScore, l'Observatoire des tendances santé-sport, avec le soutien de notre partenaire l'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Alors, sur le plateau de MedScore ce soir, nous allons parler des thérapeutes et des réseaux sociaux, entre force et faiblesse. Alors, entre les aficionados des réseaux sociaux qui semblent ne vivre que sur la toile, ou les réfractaires absolus qui fuient toute trace ou toute fuite à travers les moyens moderne de communication, où est le juste équilibre? Nous tenterons d'y répondre. Et question fondamentale, peut-on aujourd'hui être professionnellement, par exemple, si on est professionnel de santé, voire kiné, est-ce qu'on peut être complètement absent des réseaux sociaux au regard de l'impact socio-culturel et économique sur l'ensemble de la société? Comment partager ce qui est utile et intéressant pour sa communauté sans forcément s'exhiber et se mettre en scène de manière qui pourrait paraître trop prétentieuse ou nombriliste, un petit peu comme des ados? Et enfin, comment tirer parti d'une bonne connaissance des atouts et inconvénients des différents réseaux sociaux et d'une bonne maîtrise de sa e-réputation sur la relation avec ses patients et le développement du cabinet? Pour en parler autour de ce plateau, donc à mes côtés, Sophie Attia, vous êtes fondatrice et CEO de ITSA, une agence IDSA, peut-être qu'on prononce. Donc une agence de conseil en digital, en tout cas, spécialiste du marketing digital et de la stratégie sur les réseaux sociaux. Bonsoir. Donc, merci à vous d'être à nos côtés pour nous expliquer beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. À ma droite, Patrick Méo, vous êtes responsable du développement de MedSport et à l'origine du concept clinique médico-sport et aussi à l'origine un petit peu de notre thématique de ce soir. Ça nous intéresse beaucoup de tirer les ficelles et de discuter de l'intérêt ou non des réseaux sociaux. Et donc, en visio avec nous, Flavio Bonnet, bonsoir. Donc, vous êtes kiné de cœur et entrepreneur dans l'âme, pour reprendre votre présentation sur LinkedIn, si je ne m'abuse. Et vous avez donc une double casquette. Vous êtes kiné en cabinet libéral 2 jours par semaine et vous développez en parallèle 2 entreprises de formation continue pour les professionnels de santé, l'agence EBP pour Evidence Based Practice et la clinique du coureur, qui est très présente sur les réseaux sociaux, si vous nous dites le contraire. On vous a invité, vous nous expliquerez pourquoi vous en avez tant besoin. Et également en visio avec nous, donc Pierre Vespignani depuis Marseille, puisque vous êtes le kiné de l'Olympique de Marseille, et vous avez développé une solution informatique, EasyTeam, pour Zoom Tracking Medical, et vous nous expliquerez le pourquoi de votre présence et de l'importance des réseaux sociaux pour EasyTeam. Et donc, au programme de ce soir, 3 axes, 3 parties. Comment bien communiquer sur les réseaux sociaux? Le kiné a-t-il besoin des réseaux sociaux et quelles sont les limites d'utilisation? Et enfin, une 3e partie sur la e-réputation. Comment la contrôler, la maîtriser? On commencera déjà par expliquer de quoi il s'agit. Donc, un mardi de la santé dans lequel on va essayer de démêler ce qui est utile, ce qui contribue à l'essor de son activité ou au contraire ce qui pollue et inutile, voire dessert.
Mais avant de rentrer dans le vif de notre sujet de ce soir, nous accueillons sur le plateau de Medscore Emérance Marollet, qui représente pour nous l'UNIM sur le plateau. Alors déjà, Emérance, pouvez-vous nous présenter ce qu'est l'UNIM et quel est son rôle dans l'accompagnement des professionnels de santé, en particulier des kinés? Bonsoir Nathalie, merci de la question. Alors, l'UNIM, c'est quoi? C'est l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. C'est une association confraternelle à but non lucratif créée par des professionnels, pour des professionnels de santé. En fait, leur mission, elle se tourne autour de deux axes. Le premier, c'est de protéger leurs adhérents en leur proposant des contrats et des garanties spécifiques à leur profession en matière de prévoyance, de complémentaire santé, d'assurance emprunteur et de couverture de l'exercice en groupe. Leur deuxième volet, c'est de négocier des garanties et donc aussi des tarifs avec leurs partenaires institutionnels, Alliance, première marque mondiale d'assurance. Merci beaucoup. Pouvez-vous prendre un exemple pour illustrer votre propos, s'il vous plaît? Ah, elle a tout dit. Et donc, comme tous les 15 jours, un atelier est proposé par l'UNIM à nos auditeurs. De quoi va-t-il s'agir ce soir, s'il vous plaît? Alors, un cas d'usage. Prenons par exemple un masseur kinésithérapeute qui gagne 3500 euros par mois, admettons, et 1500 euros de frais professionnels mensuels. En cas d'arrêt de travail, ce masseur kinésithérapeute percevrait de la part de son régime obligatoire, la Carpinco, une aide financière à hauteur de 1500 euros pour pallier du coup à sa perte de revenus. Comme vous le constatez, entre 3500 et 1500, il y a un delta à couvrir. Et donc, c'est là où intervient le contrat de prévoyance UNIM pour lui permettre le maintien de son revenu à 100% en cas d'arrêt de travail suite à accident ou maladie. De la même manière, le contrat de prévoyance UNIM paiera les frais professionnels inhérents à ses charges de cabinet, paiement de ses charges sociales, etc. Maintenant, sortons du cadre de l'arrêt de travail et allons sur un cas un petit peu plus lourd, l'invalidité. Son régime obligatoire, toujours la Carpinco, interviendra à partir de 66%, ce qui est plutôt tardif. Or, son contrat de prévoyance UNIM interviendra quant à lui dès 10% afin d'avoir un périmètre de couverture très très large et surtout très rapide. Ainsi, nous maintenons en parallèle de la Carpinco le maintien de rémunération de l'assuré en cas de situation d'invalidité. Enfin, et c'est le cas le plus grave, en cas de disparition, de décès, comment ça se passe pour la famille, bien sûr, le conjoint, les enfants? L'Union nationale pour les intérêts de la médecine a négocié des garanties décès, rente de conjoint et rente éducation pour accompagner les proches de nos assurés dans la poursuite de leur vie sans l'assuré principal. Un de nos référents se tient à votre disposition à la fin du plateau pour vous présenter les avantages et les bénéfices de devenir adhérent à votre association UNIM et échanger avec vous autour de questions sur justement la protection des assurés. Voilà, notre première partie, comment bien communiquer sur les réseaux sociaux alors que la communication est relativement encadrée par l'ordre des masseurs kinésithérapeutes pour les cabinets, alors avec une interdiction de toute publicité, mais une certaine ouverture pour la communication. Quid de la communication sur les réseaux sociaux, lesquels et à quelle fin? Et donc dans cette première partie, nous allons analyser la situation pour bien cerner notre sujet et cadrer les bases du débat. Et je vais peut-être poser une petite question générale fondamentale. Peut-on aujourd'hui être professionnellement complètement absent des réseaux sociaux au regard de l'impact socio-culturel et économique sur l'ensemble de la société? Donc je m'adressais à vous, Sophie. Quelle est votre réponse à cette première question? Est-ce qu'on peut être absent des réseaux sociaux? Je dirais que ça dépend de l'objectif du professionnel de santé. Si je suis un professionnel de santé généraliste, que je cherche une clientèle locale,
Bon, peut-être que là, j'ai juste besoin du minimum syndical sur les réseaux, d'avoir ma petite fiche Google My Business, et puis ça suffit. Maintenant, si je suis un spécialiste ou si je suis dans une clinique, par exemple, spécialisée pour, je sais pas, les coureurs à pied ou je suis spécialiste de l'épaule pour les rugbyman, par exemple, eh bien là, je vais avoir besoin d'élargir mon audience. J'ai besoin de me positionner comme un influenceur, quelque part. Et là, ben, les réseaux sociaux vont m'aider dans la diffusion pour toucher mon audience et pour toucher ma patientèle. D'accord, merci beaucoup. On va donc se tourner vers nos deux kinés témoins qui ont chacun une double casquette. Donc du coup, je vais vous demander à chacun de nous répondre finalement sur les deux casquettes. Pierre, on a la casquette sport pro, je crois, où là c'est très très limité. Et puis, la casquette Easy Team. Alors, dans quel contexte utilisez-vous les réseaux sociaux et à quelle fin? Donc, Pierre Despignani, je m'adresse à vous. Vous avez donc plusieurs casquettes, comme on l'a dit en introduction. Donc, vous êtes kiné du sport pour l'OM et vous développez l'appli Easy Team pour manager tous les staffs. Dans quel contexte allez-vous utiliser les réseaux sociaux et à quelle fin? Est-ce que déjà, on a le choix ou est-ce que c'est interdit dans certaines configurations? Alors oui, j'ai deux casquettes, voire plusieurs avant, donc kiné en libéral, fondateur aussi d'une solution Easy Team pour connecter les staffs médicaux, et je travaille dans un club professionnel où c'est très paradoxal, mais on n'a pas du tout le droit à l'utilisation des réseaux sociaux, où l'image est contrôlée, où il y a du droit à l'image, où il y a du secret professionnel et du secret médical, donc j'ai même quasiment pas le droit de citer la structure pour laquelle je travaille. Et ça rend toujours les choses un petit peu complexes, parce que c'est vrai que la plupart des spécialistes, notamment dans le milieu du sport, qui est un milieu qui est très 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 friand des réseaux sociaux, la plupart des spécialistes réels qui travaillent sur le terrain, ils ont ces conditions-là dans leur contrat. Les réseaux sociaux, on peut les utiliser finalement quand on en a regardé, dans un sens unilatéral pour ça, c'est d'aller rechercher de l'information ou des connaissances. Et puis par contre, moi dans mon autre casquette, donc pour la solution informatique, j'ai travaillé une solution digitale, donc qui est totalement intégrée dans les systèmes digitaux complets, notamment par la communication et notre publicité finalement, qui se fait beaucoup par les réseaux sociaux. Pratiquement tout notre tunnel de vente, est intégré d'une façon digitale, donc les réseaux sociaux en font complètement partie. Et je pense qu'on peut utiliser les réseaux sociaux pour certains kinés. Je pense aussi que dans notre profession de kinésithérapeute, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas vraiment l'utilité d'être sur les réseaux. Voilà. Donc, Flavio, vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux pour communiquer, je pense surtout pour la clinique du coureur. Alors, lesquels? Quel réseau social? Et puis, pour quelles raisons? Quel choix pour quel réseau, finalement? Oui, bah déjà, merci encore pour l'invitation. Alors, en fait, moi, j'utilise les réseaux sociaux dans trois cadres. Sur mon nom personnel, où en fait, je transmets vraiment moi ce que je fais, ce que je pense, et sur un format plutôt vidéo sous-titré. On a le côté agence, où là, c'est vraiment de la vulgarisation scientifique, de la formation en continu avec de la synthèse d'articles plutôt sous forme de carrousel sur Instagram. Donc, c'est des diapositives, en fait. Et le côté plutôt la clinique du coureur, qui est pour influencer le grand public, sur les bienfaits de la course à pied sur la santé. Donc, plus avec de la preuve sociale, ce genre de choses-là. Donc, voilà, trois axes assez différents, assez complémentaires, donc qui servent vraiment à faire savoir, bah, moi, ce que je pense, c'est à diffuser la connaissance scientifique, soit via mon réseau perso, mes réseaux perso, soit via l'agence. Mais sincèrement, je pense que c'est très intéressant pour se faire connaître des projets, faire connaître des... diffuser de la science, des conseils, etc. Sincèrement, pour les professionnels de santé aujourd'hui, développer les réseaux sociaux alors que le cabinet est déjà plein, je ne suis pas sûr qu'il y ait un grand besoin de se faire plus connaître alors que tout le monde a déjà du boulot à craquer. Par contre, comme le disait très très bien Sophie tout à l'heure, lorsqu'on développe une spécificité, une certaine connaissance sur des domaines très, très particuliers, comme par exemple l'endométriose, des choses très spécifiques, alors là, c'est important de communiquer, de faire savoir ce qu'on sait faire, ce qu'on connaît,
et puis d'essayer de valoriser ça quelque part, même si en effet on est très contraint par l'ordre aujourd'hui sur la communication là-dessus. Est-ce que justement on peut vraiment préciser le discours de l'ordre parce que l'ordre interdit toute publicité, mais s'assouplit en matière de communication. Du coup, c'est quand même un petit peu flou. Oui, alors moi, je t'avoue que je ne suis pas un expert des textes et des choses comme ça. Ce que j'ai compris, c'est qu'on n'a pas le droit de payer pour se faire de sa promo. Maintenant, on a le droit de communiquer, on a le droit de vulgariser, de chercher à aider les gens de façon non commerciale, de façon plus éducative, et je trouve ça très sain. Maintenant, voilà, il y a le monde qui évolue aussi, et je crois que les pratiques de tout le monde et de la réglementation doivent évoluer aussi, tout en respectant une certaine éthique, je pense, et une certaine bonne entente confraternelle. Merci beaucoup, Flavio. On voit en tout cas à travers vos deux témoignages que quand on les utilise, en fait, c'est intéressant de savoir lesquels, comment, il y a des finalités différentes. J'aimerais, avant de passer la parole à Patrick, Sophie, votre réaction par rapport à ces deux témoignages et peut-être une question un petit peu macro. Est-ce que vous avez une idée de la proportion de professionnels de santé qui utilisent les réseaux sociaux pour communiquer? Et puis, de manière générale, auprès de qui, quoi, leurs patients, leurs confrères, la communauté scientifique. Est-ce qu'on a un petit peu une vue de tout ça? Moi, j'ai pris connaissance d'une étude qui concerne les médecins. Donc, les médecins, eux, ils sont à peu près un tiers, un peu moins d'un tiers à utiliser les réseaux sociaux. Mais d'un autre côté, on voit qu'il y a quand même des professionnels de santé qui sont des vrais influenceurs sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, l'écart est très large. Et comme on disait tout à l'heure et comme disait Flavio, ça dépend de l'objectif qu'on a et à qui on s'adresse. Après, d'un autre côté, on peut parler des gens, c'est-à-dire que le patient, c'est un consommateur comme les autres. Hein. Il consomme de la santé comme il consomme autre chose aujourd'hui. Et on sait qu'il y a à peu près 80% des gens qui préparent leurs achats au sens large sur les réseaux sociaux, en tout cas sur le digital. Donc aujourd'hui, quand je vais rencontrer un nouveau praticien, un nouveau professionnel de santé, la première chose que font les gens, souvent, c'est d'aller prendre des avis. Et ces avis, ils vont les prendre d'une part sur Google et d'autre part sur les réseaux sociaux. Il y a des groupes, moi je sais par exemple, je fais partie d'un groupe de voisins dans ma commune, en périphérie de Lyon. Et tous les jours, il y a quelqu'un qui pose une question, je cherche un kiné, je cherche un dentiste, je cherche ci, je cherche ça. Et les gens donnent leurs recommandations. Donc, des réseaux d'entraide et de proximité. Oui, des réseaux de recommandations, on va dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un endroit où on prend de l'information, c'est un endroit où on échange. Après, comme disait Flavio, si mon cabinet est plein et que je travaille avec une clientèle très locale, je ne vais pas perdre du temps sur les réseaux sociaux parce que je n'en ai pas besoin, en fait. Ni le besoin, ni le temps, ça résout en fait la question. Ni le besoin, ni le temps, ça résout la question. Et je dirais qu'il y a un minimum syndical, c'est d'avoir au moins sa fiche sur Google. Parce que c'est là qu'on peut gérer les avis, les horaires d'ouverture, des choses comme ça. Mais ça, c'est le minimum. Après, si je vais plus loin, ça va dépendre de mes besoins, de mes objectifs et de ma patientèle. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Patrick. Donc, MedScore est un observatoire des tendances. Alors, quelles tendances observez-vous en matière de réseaux sociaux? Qui sont les principaux utilisateurs? Est-ce que c'est les marques, les fournisseurs, les professionnels de santé? Quelle est votre analyse? Je ne sais pas si on peut parler de tendance parce qu'on est quand même sur un système quasiment planétaire, les réseaux sociaux quand même. Mais si on ramène ça à la dimension du marché de la physio, on constate quand même une remise en cause des moyens de communication qui fait que ça nécessite une réorganisation. Et la réorganisation, elle est en cours. Elle est encore, à mon avis, enfin à notre avis, elle est loin d'être aboutie. Okay. Bien sûr, tout le monde communique, les marques, les fabricants de solutions matérielles, les thérapeutes, les sociétés savantes, etc. Mais au fond, le problème, c'est quand même un problème d'audience. Ça reste un problème d'audience. Et en lien avec le... Je souris parce qu'on a eu cette discussion avec Sophie. En lien avec le nombre de récepteurs.
Et en fait, quand on analyse, nous, si on fait quand même beaucoup de campagnes digitales, beaucoup de campagnes de réseaux sociaux avec, avec nos réseaux de référents, et on se rend compte qu'un chirurgien qui va avoir une réputation européenne, voire internationale, va partager et va avoir 32, 35, 40 vues grand maximum, quoi. Donc, on se rend compte que l'organisation, elle est encore à améliorer. Merci. Vous souhaitez réagir ou Je peux. Alors, comme vous voulez, sinon on enchaîne. Je vous laisse quelques secondes. Non, mais je ne sais pas d'où Patrick tient son nombre de vues. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les réseaux sociaux, on ne peut pas effectivement être assuré du nombre de vues, du nombre de personnes qu'on va toucher. C'est les algorithmes qui décident, en fait. Donc, si je crée un contenu intéressant qui va faire réagir les internautes, qui est régulier, je vais dépasser les 40 vues, je pense. Voilà. Maintenant, si je communique de façon ponctuelle avec des formats qui ne sont pas forcément dans les codes du moment, bah là, je peux avoir très, très peu de vues. Donc, je pense que les réseaux sociaux demandent aussi une certaine qualité de contenu aujourd'hui. Mmh. Et ce n'est pas plus mal. Eh bien, merci beaucoup. Moi, j'aurais envie de retenir après vos témoignages à tous, qu'il convient de partager ce qui est utile et intéressant pour sa communauté sans forcément s'exhiber, se mettre en scène de manière qui pourrait paraître trop prétentieuse et nombriliste. Là, je pense qu'au moins, on fait le consensus et l'unanimité et qu'on ne peut pas s'opposer à ça. Alors, après avoir posé les bases et passé en revue rapidement les réseaux sociaux potentiellement utiles aux professionnels de santé, voyons quelles sont les limites et comment faire bien. C'est l'objet de notre deuxième partie. Alors, nous venons à notre deuxième partie. Le kiné a-t-il besoin des réseaux sociaux et quelles sont les limites d'utilisation ? Alors, est-ce que le kiné a besoin d'être présent ? En quoi ces réseaux lui sont utiles ? De la communication de données factuelles comme les horaires d'ouverture, des précisions diverses, à l'ultra-communication autour, par exemple, de nouvelles méthodes, de formations, ou ce qui pourrait s'apparenter à de la publicité, où est la limite ? Et je m'adresse à vous, Sophie. Quelle est, selon vous, l'utilisation utile ou futile ? Je pense que pour les professionnels de santé, il y a peut-être deux axes intéressants à travailler au niveau du contenu. Ça va être d'une part l'expertise technique, parce que ce sont des plateformes qui vont permettre de faire connaître cette expertise. Mais je pense qu'il y a aussi le volet humain qui est très important. On veut savoir à qui on a affaire, on veut voir peut-être l'envers du décor et sentir quelle est la personnalité aussi du ou des professionnels de santé qui communiquent. Donc je pense que ce sont peut-être ces deux axes qui peuvent faire une ligne éditoriale complète et intéressante pour les kinés sur les réseaux sociaux. Oui, vous avez parlé de ligne éditoriale, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une réflexion, c'est pas de la... Oui. Souvent, ce qu'on peut reprocher à une communication sur les réseaux mal faite, c'est quand c'est de la communication tous azimuts, mais qui n'est pas forcément réfléchie, pensée et pas suffisamment intelligente. Oui. Mais comme le disait Flavio tout à l'heure, on a bien vu que selon les différentes organisations pour lesquels il communique, il n'utilise pas les mêmes réseaux et il ne dit pas la même chose. Donc en fait, communiquer sur les réseaux sociaux, ça n'échappe pas aux règles de base de la communication. Et donc, il faut faire coller son discours avec les objectifs que l'on a et aussi les gens à qui on s'adresse. J'aurais une question. Justement, si on fait le distinguo entre le réseau professionnel et le réseau de masse, on va dire, est-ce que justement le réseau de masse ne pénalise pas justement l'appréciation qu'on peut avoir des réseaux sociaux dans le monde professionnel ? Par le manque de qualité, par la futilité, un terme qui a été utilisé par Nathalie. Moi, je dirais que c'est toujours une question de à qui on s'adresse. Ouais. Voilà, toujours une question de cible. Si je suis sur un réseau professionnel que je m'adresse à mes pairs ou à d'autres professionnels de santé, je vais adapter mon contenu.
Voilà. Et si je m'adresse à mes patients, je vais aussi adapter mon contenu. Mmh. Maintenant, un professionnel qui va prendre en photo tous les matins son café avant de commencer à travailler, je vois pas l'intérêt. Une fois de temps en temps, ça peut être sympa. Mais après, c'est quelle valeur aussi j'apporte dans ce que je publie. Mmh. Alors Flavio, justement, en quoi les réseaux sociaux favorisent votre activité professionnelle et alors, comment les utilisez-vous? Alors, vous avez commencé déjà un petit peu à l'évoquer, mais je veux bien qu'on revienne dessus, sur les informations très factuelles, utiles et les connaissances. Oui, alors sur nous, la vision à l'agence, c'est vraiment de diffuser au maximum les dernières données scientifiques de façon digeste en français, d'ailleurs, mmh. puisqu'elles sont en anglais la plupart du temps, et de façon un petit peu fun et sexy, quoi. Parce que l'idée, c'est de rendre la science un peu attractive. Donc on essaye de prendre des articles scientifiques super compliqués, les vulgariser, les simplifier de façon à rendre ça accessible à tout un chacun pour que ben, on arrive globalement à monter le niveau un petit peu de la formation. Donc ça, c'est notre vision là-dessus. Et c'est vrai que l'équilibre, il est difficile parfois à trouver entre faire du divertissement et faire de la vraie information scientifique. Mmh. On voit en effet qu'il y a beaucoup de... Alors, ils n'aiment pas être appelés comme ça, les influenceurs. Sophie, tout à l'heure, tu parlais des influenceurs. Ils se présentent plus comme des créateurs de contenu. Moi, je les ai appelés plusieurs fois influenceurs, des gens que je connais bien, dont des bons amis comme Aime ton kiné, par exemple, qui est l'un des influenceurs créateurs de contenu les plus importants en santé en France. Et ils me disaient que pour eux, c'est vraiment des créateurs de contenu plus qu'autre chose, quoi. L'idée, c'est d'informer, de motiver à bouger, et de divertir aussi en même temps, quoi, d'essayer de faire deux pierres deux coups. Mais parfois, l'équilibre, en effet, comme tu disais tout à l'heure, Nathalie, il n'est pas évident à trouver entre, je fais du buzz, du divertissement à moitié nu, et j'envoie des informations importantes, documentées, etc. Quoi. Donc, et en même temps, sur les réseaux sociaux, il ne faut pas être chiant, quoi. Tu vois, si tu es chiant, la personne qui va te suivre. Donc, il faut arriver à trouver ce ton qui doit être propre à chacun et avec, je pense, comme une demi-heure, l'authenticité, faire quelque chose qui te ressemble, je pense que c'est essentiel. Et puis après, essayer d'apporter de la valeur, en fait, d'apporter de la valeur santé autour de toi, et si tu es suffisamment bon, les gens te suivent. Oui, c'est vrai que pour être attractif, il faut être quand même ludique. Être ludique, il ne faut pas non plus tomber dans le bêtisier ou que ça soit au détriment du niveau. Donc c'est vrai que l'équilibre, il est quand même fin. Pierre, alors votre utilisation des réseaux sociaux, elle est forcément très différente selon la casquette sous laquelle vous êtes. Hein, donc on a les limites en tant que kiné du sport, notamment dans le haut niveau, où là, ça vous est quand même très restreint, très contrôlé. Et quel va être l'intérêt pour le développement de l'appli EasyTeam? Alors, oui, c'est vrai que c'est paradoxal, parce que moi, je suis en plein dans le digital et en même temps en plein dans le sport, et où on a interdiction totale, bien évidemment. On a le secret médical déjà, le secret professionnel, et ensuite le secret club. Sous contrat qui fait qu'on ne peut pas communiquer. Et c'est vrai qu'on se retrouve beaucoup entre spécialistes et finalement, on a des autres réseaux, finalement, pour s'échanger des informations. On est toujours à la recherche de l'innovation, de la nouveauté et on est extrêmement basé sur les sciences aussi. Donc on arrive à avoir des canaux de communication qui ne sont pas ceux des réseaux sociaux. Et c'est vrai que je les regarde, en fait c'est très unilatéral, on regarde tous ces réseaux, je fais un gros distinguo entre justement ceux qui font de l'information scientifique vulgarisée, parce que c'est le but des réseaux sociaux, c'est de vulgariser, parce que mettre des articles scientifiques comme ça doit être présenté, comme c'était présenté avant, c'est vraiment pas regardable vraiment. Mm-hmm. Et puis en même temps, je fais le distinguo entre ça et puis les influenceurs aussi, parce que c'est là qu'on est les professions médicales, où on nous impose quand même une charte, hein, ne serait-ce que par l'ordre, le code de déontologie, et où on nous demande justement de ne pas être influençable quasiment tous les jours par nos patients, par nos confrères, par les marques, par tout le monde. Et clairement, les créateurs de contenu sont des influenceurs, et tout est dans le mot. Donc, on essaie de faire un distinguo là-dedans. Bien évidemment, moi, dans mon autre casquette, je travaille dans le digital, donc on est obligé d'utiliser ces canaux de communication.
On voit bien que derrière, il y a beaucoup de marketing surtout. Donc, quand on est professionnel de santé, on a toujours le pied un petit peu entre deux chaises, ou plutôt le pied entre deux chaises, à savoir est-ce qu'on donne de l'information, est-ce qu'on se fait de la publicité, ou est-ce qu'on fait de la publicité pour autre chose indépendamment, parce que les noms y tournent et on sait très bien qu'on emporte avec nous beaucoup de choses. Donc voilà, j'ai un avis qui est peut-être un petit peu brouillon là-dessus, parce que j'ai ces deux casquettes. Je sais que je respecte énormément les gens qui passent du temps à créer des bons contenus. Je sais exactement, je regarde souvent ton contenu d'ailleurs. Félicitations parce que c'est très bien. Ça permet souvent pour je pense, les jeunes kinés justement, de les mettre le pied à l'étrier, d'aller chercher de l'information que nous, kinés de mon époque, on avait plus de mal à trouver parce qu'on allait dans les bibliothèques carrément. Donc voilà, on allait sur Internet, mais d'une autre façon. Là, on a un accès rapide et ça nous force à aller chercher des articles qu'on ne serait jamais cherché avant. Ça, moi, je trouve ça génial. Après, l'autre côté, qui ne concerne pas, mais des influenceurs qui vulgarisent extrêmement le système, je trouve que ça va un peu à l'encontre de la profession de kiné des fois, parce que la cible, on ne sait plus trop quelle est la cible finalement. Est-ce qu'on est en train d'informer les patients, est-ce qu'on est en train d'informer les kinés, un peu tout, ou est-ce qu'on est en train de vendre quelque chose, on ne sait pas, et je comprends qu'on se pose des questions. Donc voilà, donc moi, pour ma solution digitale qui est axée pour les professionnels de santé, évidemment qu'on va utiliser des communications digitales, mais on va surtout s'empêcher d'avoir le système direct par les influenceurs directs. Ce n'est pas vraiment notre état d'esprit, du moins par les personnes qu'on cible. Oui, je crois que Flavio veut. Oui. C'est juste ce que tu dis sur à qui on s'adresse. C'est-à-dire que moi, dans mon contenu, je m'adresse aux professionnels de santé, je ne m'adresse pas aux patients. Donc, c'est vraiment pour former les gens parce que je pars du principe que ça va être un levier si les professionnels sont mieux formés. Tu vois, si on forme un professionnel mieux qui va voir 20 patients par jour, j'aurai beaucoup plus d'impact quelque part que si je me bataille à les former du grand public comme ça. Je pense que c'est plus sain en plus. Et y a un autre truc, ce que tu disais tout à l'heure, Nathalie, aussi, c'est parfois on peut paraître prétentieux sur les réseaux. Et alors moi, la dernière fois, je vais donner un cours, une formation en Corse. Et il y a un gars qui me dit « Ah, c'est marrant, t'es sympa en vrai. » Je me dis « Comment ça ? Je suis sympa en vrai. » Et il me dit « Bah, en fait, quand on te regarde sur les réseaux sociaux, on dirait que t'es hyper prétentieux. » Je me dis « Ah ouais, mais qu'est-ce qui te fait dire ça ?» et tout. Et puis, on réfléchissait. Puis, j'en ai parlé à Aymeric, dont je parlais tout à l'heure. Et il me dit « Non, mais en fait, c'est parce que tu fais pas assez de stories, que tu te montres pas vraiment au quotidien, etc. T'es devant ton tableau en train de faire des grandes conférences, des machins. Et on te prend pour quelqu'un de prétentieux, alors qu'en vrai, pas du tout, quoi. » Et donc voilà, c'est tout cet équilibre qu'il y a trouvé entre la cible, le ton, et puis toi, comment tu te comportes au jour le jour, qu'est-ce que tu montres, qu'est-ce que tu montres pas. C'est assez intéressant au final, ça développe aussi une certaine forme de créativité, d'expression, qui en fait est assez plaisante, je veux dire. Oui, c'est intéressant parce que le retour qu'on en a n'est pas forcément celui qu'on a voulu donner. C'est vrai que le retour d'image, parce que si on ne veut pas faire le clown, mais en même temps être sympathique, le milieu, il est difficile à trouver. Il faut être assez créatif. C'est ce que vous observez aussi. Oui, bien sûr. Mais après, sur les réseaux, il y a des formats. Je crois qu'il y a des modes, il y a des formats. Et qu'il faut absolument adopter parce que sinon on est ringardisé immédiatement. Mais par contre, ça n'empêche pas de dire des choses intéressantes et d'essayer d'apporter de la valeur, comme disait Flavio, c'est vraiment ça la clé. Mais je crois qu'il y a ce binôme, c'est quelle valeur j'apporte et après, est-ce que j'utilise le bon format qui est aujourd'hui apprécié, consommé par les internautes. Alors Patrick Méo, je me tourne à présent vers vous. Que vous inspirent ces différents échanges, vous qui avez quand même un regard sur la communication et la communication qui se faisait très bien avant, sans les réseaux sociaux, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, comment vous analysez? Alors déjà, pour nous, on va dire publicitaires ou gens de marketing ou professionnels de communication, les réseaux sociaux, c'est un moyen comme en fait qui doit rentrer dans un mix global. En fait, il y a les réseaux sociaux, mais il y a le reste aussi. Voilà. Et moi, je retiendrai l'intervention de Pierre quand justement il faisait vraiment le distinguo entre le discours éphémère pour se démarquer, pour attirer l'attention, et le vrai contenu bien ciblé auprès des professionnels de santé. Patrick, si je peux me permettre de rebondir, juste, en fait, moi, je ne pense pas que les réseaux sociaux soient obligatoires. Hein, ça dépend, par exemple, quand tu regardes les business B2B,
Il y a plein de trucs qui réussissent énormément bien, enfin super bien sans réseaux sociaux. Je pense maintenant, quand on s'attaque à du grand public, quand on veut véhiculer une image de marque, quand on veut développer une marque, c'est difficile aujourd'hui de se passer des réseaux sociaux. Parce que tu dois exister, tu dois transmettre de l'émotion, tu dois être présent, on doit te voir. Et ça, quand tu regardes aujourd'hui l'attention, hein, puisque c'est de ça dont on parle, c'est l'attention. Où est l'attention aujourd'hui? On passe 4 à 6 heures sur nos téléphones par jour, dont la vaste majorité sur les réseaux sociaux. Donc l'attention, notamment des jeunes, elle est là. Et si on veut la capter, il faut y être. Oui, tout dépend des objectifs de l'entreprise ou de l'émetteur, en fait. C'est ça. Oui. Mais nous, quand on met en place un plan de communication multimédia, on va dire, oui. Même si on est super bon sur les médias classiques, eh bien, on va quand même avoir des difficultés sur la partie réseaux sociaux. En tout cas, je pense que, en conclusion de cette... Ah, pardon, je... Excusez-moi, je me permets d'intervenir. Mais avec plaisir. On sent bien qu'il y a vraiment une spécificité avec les professions de santé, hein, par rapport à tous les autres communicants sur les réseaux sociaux. C'est vrai que nous, on a une culture, un encadrement qui est différent des autres professions. Donc le mélange, il se fait des fois très mal entre le contenu réellement d'information et de communication et la publicité, ou tout simplement... le fait d'aimer aussi être en avant et avoir il y a beaucoup d'influenceurs ou de créateurs de contenu, parce que c'est vrai que c'est moins péjoratif, mais qui sont là tout simplement parce qu'ils aiment bien se regarder, ils aiment bien qu'on les regarde, et peut-être que plus tard ils font quelque chose, on va pas se cacher. Et c'est vrai que derrière, en face, la parole qu'on apporte, c'est quand même souvent à une destination des patients. Et c'est vrai que je comprends, moi, le casse-tête des ordres, des médecins, des kinés, de tous les ordres en ce moment, d'arriver à trouver un bon compromis, quoi, parce que évidemment qu'on ne peut pas se passer des réseaux sociaux, évidemment qu'on doit être présent, évidemment, mais je pense que dans certains cas, il doit y avoir des encadrements, d'arriver à vraiment pouvoir donner de l'information pas aussi facilement sur des sujets qui sont très sensibles. On se rend compte quand on a des enfants qui sont adolescents, ou des personnes qui sont totalement déconnectées un petit peu de la société et qui, nous, des fois, dans nos cabinets, nous racontent que ils ont vu tel un tel leur expliquer cela. Et en fait, c'est tout l'inverse de ce qu'on aimerait leur proposer. Et donc, ça emmène des fois des gens dans des thérapies qui sont plus les leurs. Et sous couvert de science ou sous couvert d'image, des fois, on fait passer des messages qui ne sont vraiment pas les bons. Parce que déjà, quand on voit l'âge de la plupart des créateurs de contenu, même s'ils sont sûrement très brillants, la plupart, ils ne peuvent pas avoir l'expérience des gens qui ne communiquent pas justement sur les réseaux sociaux. Donc, il y a quand même dans l'EPP cette question d'expérience qui manque énormément dans les créateurs de contenu, et qui sont des expériences qui sont souvent très ciblées et très focalisées sur le message qu'ils ont envie de faire passer. Et je pense que ça met un peu le doute souvent chez les personnes. Et c'est pour ça que c'est bien ce genre de système comme Toi Tu Fais, où justement on simplifie des choses scientifiques pour qu'on puisse aller dedans. J'ai bien compris la démarche, c'est pour ça que j'ai pas du tout un avis négatif sur justement l'utilisation de ça, mais je trouve que il y a quand même certains abus, et que nous, quand on a des solutions justement qui sont destinées aux professions médicales, et ben on est des fois pris dans les taux de savoir est-ce qu'on peut vraiment aller utiliser les réseaux sociaux, parce que ça péjorative énormément les solutions qu'on va proposer. Donc on est très frileux à la façon dont on va communiquer, même sur nos sites internet. Nous d'ailleurs, on n'a pas encore investi ce milieu-là, parce que justement la réflexion, elle est vraiment grande, à savoir de quelle façon on peut faire ça correctement pour cibler les bonnes personnes et pas s'en mettre trop à dos, justement. Mais c'est vraiment... Il y a entre 25 et 35 ans qui travaillent, il y en a beaucoup d'autres. Non, c'est vraiment intéressant. Finalement, les professionnels de santé, ils reflètent aussi la population en général. Il y a quand même une question de personnalité, avec des gens qui aiment être mis en avant et d'autres qui sont en retrait. Flavio, vous vouliez rebondir. Juste pour rebondir sur ce que disait Pierre, moi je trouve que, en fait, des fois, c'est vrai que... Et puis, il y a eu des histoires de cas où certains se sont fait attraper en voulant faire passer un message soi-disant scientifique. Et en fait, juste parce que c'est un peu la mode en ce moment de tout justifier par la science, et au final, ils se sont fait rattraper par la patrouille. Ils disent, écoute, non, tu t'es planté, c'était pas cet article-là. Non, ça, c'est faux, c'est pas ce que ça dit là. Donc, il faut faire gaffe à ça, c'est sûr. Et après, ce que je voulais te dire par rapport à ça, c'est que sur les réseaux aussi,
Moi, je pense qu'il n'y a pas de risque à y aller. C'est vraiment, ça dépend de qu'est-ce que tu mets dedans, quoi. C'est, en fait, il y a plein de gens qui disent ouais, les réseaux sociaux, c'est pas bon. En fait, ça dépend ce que tu suis. Moi, je suis mon feed d'actualité, il est hyper intéressant. Pourquoi ? Parce que je sélectionne vachement qui je suis. Et il y a plein de trucs que je ne suis pas et que je ne peux pas voir et qui n'arrivent pas. Et si tu suis que de la merde, ton fil, ça va être que de la merde. Quoi. Et si tu suis que des gens très, très sélectionnés, etc., ben en fait, c'est hyper intéressant. Moi, je pourrais scroller des heures, j'apprends des milliers de trucs. Il y a des gens hyper brillants qui n'ont pas des millions de followers, forcément, parce que ça va, c'est une niche. Mais en fait, tout dépend ce que tu mets bien, quoi. Parfait, c'est un excellent résumé. Moi, je propose que l'on retienne en conclusion de cette partie que d'une manière certaine, il est difficile à l'heure actuelle de complètement ignorer les réseaux sociaux. Hein. C'est impossible, vous l'avez tous démontré. Pour autant, l'utilisation peut en être minimaliste, afin de ne pas être absent du paysage, sans pour autant s'exhiber. Et finalement, tout est question de mesure, hein, d'équilibre, comme vous l'avez très bien dit. Donc, après avoir vu le potentiel offert par les réseaux sociaux, mais aussi les dangers auxquels ils peuvent nous exposer. Voyons un aspect précis qui peut être autant vertueux que dangereux, la e-réputation. C'est notre troisième volet et nous en parlons juste après le message vidéo de notre partenaire l'UNIM. A tout de suite. L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Association indépendante, l'UNIM défend les intérêts des professionnels de la santé depuis plus de 40 ans et leur propose les meilleures conditions d'assurance professionnelle et privée à des tarifs privilégiés négociés avec son partenaire Alliance. Ensemble, assurés d'être bien assurés. Alors la e-réputation, comment la contrôler, la maîtriser et commencer peut-être par la connaître, comment maîtriser sa e-réputation à l'heure où n'importe qui peut laisser un avis, une évaluation vous concernant, quelle partie tirer de chaque réseau social auprès de différentes cibles, population jeune, sportive, senior, pour acquérir de nouvelles patientèles, faire connaître son expertise, son matériel, son appartenance à une communauté identifiable ou encore communiquer auprès d'une communauté de confrères, tant pour des remplacements que pour des partages de connaissances. Alors Sophie, peut-on déjà définir ce qu'est la e-réputation et est-elle subie ou doit-elle être contrôlée ? La e-réputation, je dirais, c'est la réputation qu'on a en ligne. Et elle n'est pas déconnectée de la réputation de la vraie vie. Donc, si on a une mauvaise réputation, on aura une mauvaise e-réputation. Et si on a une bonne réputation, on aura une bonne e-réputation. Après, est-ce qu'on peut la contrôler ? Je ne pense pas. C'est très difficile de savoir si dans un groupe, sur Facebook, quelqu'un parle de vous. C'est quasiment impossible. Par contre, on peut essayer d'ouvrir des espaces, comme je disais tout à l'heure, la fiche Google My Business, par exemple, ou une page Facebook. Ça permet de laisser des avis, ça permet aux gens de laisser des avis. Et donc, ces avis, on y a accès, on peut y répondre. Ça, c'est très, très important, par contre, oui. de répondre aux avis qui sont laissés, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et ça permet non pas de contrôler la réputation, mais en tout cas d'y participer, je dirais. Voilà, mais pratico-pratique, je suis professionnelle de santé, on me laisse un avis déplorable, parce que ça, c'est aussi des choses qui arrivent dans la vie, où vous avez vraiment un différend avec quelqu'un qui, par vengeance, sait qu'il peut vous salir. Et il va vous salir là où il va toucher le cœur de cible, il va vous salir sur les réseaux en mettant quelque chose qui est vérifié par personne, qui est le professionnel de santé, il peut se défendre, il peut faire supprimer cet avis, comment ça se passe ? C'est très difficile de le faire supprimer parce que les réseaux sociaux, dans tous les réseaux, il y a des procédures d'alerte. Mais c'est vraiment pour des propos diffamants, insultants, des choses qui vont très loin. Mais on peut dire du mal de quelqu'un sans tomber dans ce registre-là. Après, la règle, c'est de toujours répondre.
Si c'est quelqu'un avec qui on a un différend, ben, l'idéal, c'est de lui répondre en ligne et ensuite d'essayer de prendre contact hors des réseaux sociaux pour régler le sujet. Voilà. On lave pas son linge sur la place publique, voilà, on essaye de le faire un petit peu. On essaye de le faire à part. Et c'est tout ce qu'on peut faire, quelque part. Mais c'est très difficile. Après, ça n'arrive pas non plus tous les matins. Hein. C'est une grande crainte, souvent, des professionnels. Mais si on fait bien son métier, ça arrive une fois de temps en temps, mais de façon assez exceptionnelle. Ouais. Alors, Flavio, comment vous soignez votre e-réputation? Vous avez dit, tiens, finalement, on prenait pour le gars un petit peu hautain, prétentieux, alors qu'en fait, bah non, vous êtes vachement sympa et accessible. Alors, comment on récupère l'image qu'on a envie de donner? Oui, pas évident. Alors, je pense qu'il y a deux choses à distinguer. Je pense qu'il y a le côté cabinet avec la fiche Google My Business que nous, perso, on sollicite pas trop des avis. Il y en a qui sont passés comme ça, on répond pas vraiment et c'est pas bien. c'est pas important de répondre. Pourquoi? Parce que le cabinet, bah, il est plein, les gens nous font confiance, on a plein de bouche à oreille et tout. Donc, c'est pas quelque chose qu'on soigne particulièrement. Je pense que, alors, il y a un truc qui est hyper intéressant, qui est très spécifique à la France. Et je vais juste citer l'exemple de Doctolib, si je peux. En fait, Doctolib a racheté une filiale en Italie, dans laquelle, a racheté une boîte en Italie pour développer Doctolib en Italie, sur laquelle ils notent les professionnels de santé. Et en France, les professionnels de santé ne sont pas notés, que ce soit sur Doctolib ou ailleurs. C'est quand même rare qu'on ait des fiches Google My Business qui soient bien fournies en termes de vote. Pourquoi? Parce que les professionnels de santé tolèrent très très mal se faire noter. Et je pense que ça interroge vachement qu'est-ce que ça veut dire sur nous. Pourquoi est-ce qu'on ne supporte pas se faire juger par des patients? Probablement parce qu'on est extrêmement mal payé par ailleurs. Est-ce qu'il y a plein de choses comme ça qui rentrent dans ce concept de notation et d'irréputation aussi, qui est un gros frein, je trouve, en France. Alors qu'il est très difficile de trouver des professionnels de santé de confiance quelque part. Quand vous cherchez quelqu'un, un spécialiste, bah, franchement, c'est très difficile de trouver sur les réseaux. Donc, on est dans ce dilemme, je trouve, où à la fois les gens ne notent pas, nous on n'aime pas se faire noter, la notation n'est pas présente sur Doctolib, et en même temps on a du mal à trouver des professionnels, etc. Donc, moi, ce n'est pas quelque chose à laquelle je fais attention. J'envoie mon contenu scientifique sur les réseaux sociaux, informer, vulgariser, faire passer ce que je fais. Mais sincèrement, sur le cabinet, on ne regarde pas trop, on ne soigne pas trop ça. Mais il est très probable que ça rentre dans les mœurs at some point, quoi. Parce que c'est quand même pas normal qu'on n'ait pas de... Je veux dire, on trouve ça tout à fait... Maintenant, pour choisir un restaurant, comment vous faites? Vous allez sur TripAdvisor, vous allez regarder les notes et les avis, quoi. Bien sûr. Et c'est le premier réflexe de tout le monde. Et on se demande comment c'est possible, c'est possible que ça ne le soit pas pour les professionnels de santé, quoi. Ça interroge vraiment sur notre système de santé, en fait. Oui, complètement. Pierre, quelle est votre préoccupation ou de votre e-réputation dans vos différents contextes professionnels? Alors, c'est vrai que, bah, comme tout le monde, hein, on déteste avoir une mauvaise réputation. Alors, les réseaux sociaux font partie de nos systèmes de communication, donc on y fait attention. Moi, je dirais que c'est plutôt à titre personnel, parce qu'à titre professionnel, comme je reviens dessus, nous, dans les clubs professionnels, notamment de football, mais aussi des autres sports dans lesquels j'ai travaillé, on est sous contrat, on est encadré aussi par des boîtes qui gèrent la communication directement dans le club, donc tout est contrôlé. Donc à partir de ce moment-là, notre réputation, elle est directement liée à notre profession directe et à notre club, et ils contrôlent absolument tous les flux entrant et sortant, donc on n'a pas souci de ça. D'un point de vue kiné libéral, où j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait aussi un centre de formation à Nancy, des choses comme ça. L'irréputation, elle est super importante, évidemment, parce que la clientèle, par beaucoup, on cible une clientèle, hein, dès qu'on est dans des systèmes comme ça, même, elle va aller rechercher l'information dans les centres de formation, par exemple, sur nos sites internet, sur nos LinkedIn, sur nos Facebook. Alors, en fonction du réseau social, on va avoir une cible qui est totalement différente. C'est vrai que on va pouvoir, je ne sais pas si on a le droit de les citer, mais on a vraiment des moyens différents et on y fait très attention et on suit de près
le nombre de likes en plus, les posts, ce qu'ils ont été suivis, compagnie et tout. Mais c'est vrai que des fois, on se pose même nous-mêmes la question si on n'est pas en train de suivre notre société ou si on est en train de suivre notre réputation pour qu'elle soit bonne, tout simplement, et qu'il y ait un petit peu d'envie d'être le meilleur, des fois. Donc, ça se confond un peu, tout ça. On se rend bien compte quand on est derrière l'écran qu'il y a un petit peu de tout ça. Mais c'est quelque chose qui est évidemment très importante. Et c'est vrai que tu parlais tout à l'heure, Flavio, tu disais que les... en Italie ou dans d'autres pays, on note les professionnels de santé, et puis tu as fait le rapprochement avec TripAdvisor et les restaurants et les hôteliers. C'est vrai que ça se fait comme ça, mais aux États-Unis aussi, les gens mettent des panneaux publicitaires du chirurgien. Des gens peuvent aussi. C'est vrai qu'on a un système de français qui est très cadré sur la donnée médicale aussi, les hébergements de données médicales, les choses comme ça. Donc, qui est très cadré et qui nous protège, puisqu'on a aussi une grosse sécu qui est derrière, on ne peut pas le nier. Donc, c'est vrai qu'il y a un encadrement derrière qui fait que c'est une sorte de garde-fou. Alors, est-ce qu'on est un peu trop précautionneux ou pas? Moi, je ne saurais pas le dire. On sait qu'on a l'impression d'être un petit peu en retard par rapport aux autres, mais c'est vrai que moi, j'ai un petit peu de mal d'aller choisir mon kiné ou mon médecin comme j'irai choisir le restaurant où j'emmène ma femme. Et je trouve que c'est... Mais bon, après, tous les avis sont à écouter. Moi, je suis hyper ouvert à ça. Je suis en plein dans le digital parce qu'on travaille tous les jours dessus. Je suis un fan des réseaux sociaux. J'aime les regarder. Mais c'est vrai que des fois, j'ai l'impression que c'est important de s'en protéger. Je vois beaucoup de gens autour de moi qui utilisent les réseaux sociaux pour communiquer et qui en souffrent énormément. J'ai des collègues qui étaient les gens qui ont monté des choses autour de ça et qui souffrent du regard des autres après, parce que finalement, il y a aussi l'envers du décor. Hein. Celui qui crée du contenu, il est jeté dans l'arène du jugement des autres et qui n'est pas toujours bon. Il y a du hating ou du bashing, je ne sais pas comment on dit, mais souvent ils en prennent plein les dents alors que l'intention elle est sincère au départ. Et donc je me dis, on est encore à une période où tout n'est pas encore totalement encadré, et moi je ne milite pas pour qu'il y ait des règles et des murs partout, mais je pense que le bonheur des uns fait le malheur des autres de temps en temps. Il y a des gens qui sont très bien intentionnés, d'autres qui le sont moins. En tout cas, quand on travaille autour des patients, il faut qu'on arrive à les protéger au maximum. Et donc, il faut essayer que les professions s'autogèrent aussi sur la gestion des réseaux sociaux, parce que c'est très facile finalement. Et puis, il y a des boîtes comme la boîte de Madame Hatcha ou d'autres avec qui nous on a travaillé ou juste comme ça, qui vous conseillent et qui même créent du contenu pour vous. Donc, des fois, bon, faut vraiment faire la part des choses. C'est pour ça que je fais très attention à l'irréputation, mais pourtant, je suis plutôt précautionneux en ce moment. J'attends un petit peu et je m'affiche le moins possible. Merci beaucoup, Pierre, pour ce retour. Patrick, vous aviez envie d'ajouter quelque chose sur cette partie qui touche à sa fin avant que nous concluions cette... Moi, je confirmerais ce que Sophie disait, c'est que l'irréputation, elle est tributaire de la réputation du thérapeute en fonction de son cursus, son parcours, du contexte dans lequel il évolue, s'il est sportif, s'il publie beaucoup sur le plan médical, etc. Quoi. Nous, en ce qui nous concerne, c'est très important parce qu'on a un petit millier de référents quand même, ce qui n'est pas négligeable, et leur réputation est très importante pour nous en termes de crédibilité. Merci à tous les quatre pour votre participation. Notre émission touche pratiquement à sa fin. Est-ce que je peux demander à chacun une petite phrase de conclusion extrêmement courte, mais pour qu'on l'en sache ce qu'on retient de cette émission? Je commence avec vous, Sophie. En conclusion de tout ce qu'on s'est dit, moi je dirais que la communication sur les réseaux sociaux n'échappe pas aux règles de la communication en général et qu'il y a juste des formats bien, bien spécifiques à observer. Voilà. Merci beaucoup. Conclusion concise. Pierre, la même concision. Je dirais que dans une société où on est vraiment où les réseaux sociaux sont au cœur de la société, on ne peut pas nier leur utilisation, mais on est une profession où faire très attention à ne pas être influençable. Et donc, éviter de se faire influencer par les influenceurs, ce serait déjà la première des choses. Et puis de réfléchir par soi-même, mais par contre, de pouvoir communiquer d'une façon très directe, ça c'est très intéressant. Merci. Flavio, vous auriez encore plein d'autres choses à nous dire, mais je vais vous demander, comme à tous, une petite conclusion rapide également. Toute la soirée, ça sera un grand plaisir. Moi, je dirais premièrement que c'est peut-être pas fait pour tout le monde, pas tout le monde peut s'exposer et en effet se mettre un petit peu en jeu. Donc, forcément, c'est pas pour tout le monde. Et après, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut juste rester authentique, fidèle à ses valeurs. Et proposer ce qu'on aime, ce qu'on fait, et soit les gens suivent, soit les gens me suivent. Magnifique conclusion.
Pour clore, Patrick, votre inspiration. Réseaux sociaux, oui, mais je pense avec une régulation à terme. Très bien. En tout cas, aujourd'hui, il est complètement impossible d'ignorer alors la puissance, on ne sait pas, mais en tout cas l'impact potentiel des réseaux sociaux. Donc, il s'impose donc de rester vigilant, éventuellement de déléguer à des spécialistes quand on ne veut pas soi-même se coller à la tâche, selon aussi les besoins de sa structure. Notre émission est à présent terminée. Il me reste à vous remercier tous les quatre sincèrement pour votre participation. Merci à l'UNIM de nous soutenir. Merci aux équipes de Medscore. Nous donnons merci à vous tous qui nous avez suivis, bien sûr. Et nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau Mardi de la Santé. Ce sera le 12 décembre. Et nous parlerons de l'offre de formation qui est pléthorique et comment choisir objectivement. Vaste programme. Mais la soirée n'est pas tout à fait terminée puisque vous avez à présent rendez-vous avec l'UNIM pour un atelier qui vous est proposé, dont Émérance nous rappelle le contenu. Prenons par exemple un masseur kinésithérapeute qui gagne, admettons, 4000 euros par mois et paie environ 2000 euros de charges mensuelles professionnelles. Ce masseur kinésithérapeute, en situation d'arrêt de travail, percevra de la part de son régime obligatoire, la CARPINCO, une indemnité journalière allant jusqu'à 1500 euros par mois. Dans le cadre de cet arrêt, le delta du coût à couvrir sera pris en charge par son contrat de prévoyance UNIM. En parallèle, ce même contrat viendra prendre en charge également les frais professionnels inhérents au loyer, à ses charges sociales, à ses frais de location de matériel. Prenons le cas ensuite d'une invalidité, c'est-à-dire que suite à accident ou maladie, l'assuré n'est plus en capacité, en tous les cas, d'exercer son métier autant qu'avant. Le régime obligatoire de la CARPINCO interviendra à partir de 66%, ce qui est plutôt tardif, pour du coup avoir un périmètre de couverture qui est bien plus précoce et bien plus couvrant. Le contrat de prévoyance UNIM interviendra quant à lui à hauteur de 10% afin de combler du coup la perte de revenus liée à l'invalidité de l'assuré. Enfin, en cas de disparition de l'assuré, le contrat de prévoyance UNIM verse à son conjoint et à ses enfants des capitaux décès, une rente de conjoint et des rentes éducation. Merci beaucoup Émérance, bonne soirée à tous et rendez-vous dans 15 jours. L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Association indépendante, l'UNIM défend les intérêts des professionnels de la santé depuis plus de 40 ans et leur propose les meilleures conditions d'assurance professionnelle et privée à des tarifs privilégiés négociés avec son partenaire Alliance. Ensemble, assurés d'être bien assurés.